Hi everybody. C'est tellement cute. C'est beau. Bonjour tout le monde. Il est pas les cheveux. Ouais, il a vraiment beaucoup de bisous. C'est Bibi. Ah, t'es trop beau, Paul. Tu veux-tu faire l'introduction, Paul? Bon, fait que bonjour la gang. Allô? Je suis avec un invité d'honneur, Paul. Ah, et Claude, c'est vrai. Merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que tu te sens bien accueillie. Oui. Oui. Non, pour vrai, la pâte à casse, c'est cool. Ah oui, bah oui. D'ailleurs, il est à Louis, ça vous tente. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Fait que là, aujourd'hui, on s'est dit, moi pis Claude, hey, on va faire des vidéos spéciales Halloween. C'est l'Halloween, là. Non, fait qu'on se dit, il faut bien se gâter, ça. Moi, j'adore me déguiser. Ouais. Vraiment, vraiment. L'Halloween, là, c'est, je pense, ma fête préférée. Aujourd'hui, on se lance le défi de se créer un outfit à partir de rien au Walmart. C'est vrai que c'est. Je sais pas si on va vraiment réussir. Ben oui! Chris, t'es optimiste? Allez! Ben, parce que moi, j'ai pensé à un look dans ma tête. Ouais. J'ai pensé à de quoi. Ok. Mais vois-tu, moi, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être te nuire d'avoir pensé à de quoi. En tout cas, we'll see. Parce que dans le sens où... Ben non, mais je me laisse sur toi. Je me laisse la liberté, là. Ouais. Et moi, je suis de même. C'est pour ça que j'aime pas ça, magasin friperie. Ouais. C'est que d'habitude, tu sais ce que je veux. Ouais. Y a pas ce que je veux. J'adore magasin friperie. Je sais. Pour ça, je suis comme... Justement, c'est comme toutes des belles surprises. Le plan, c'est qu'on a pas le droit d'aller justement dans les déguisements. Faut vraiment qu'on parle de rien. Ouais. Le but de l'expérience, c'est juste de voir, est-ce que c'est possible d'aller au Walmart puis de se faire un costume, t'sais? Ouais. Est-ce que c'est possible? Je pense que oui, je pense que le but, en fait, c'est de voir qui de nous deux va être la plus créative. C'est sûr, c'est Cass. Pourquoi? Parce que Cass, c'est une artiste. Moi, là, OK, est-ce qu'on peut se parler de... OK, moi, je regarde beaucoup le style vestimentaire des gens. Tu sais, clairement, si tu magasines dans les friperies, t'as pas le choix d'être créative. Ouais. T'sais, c'est comme, je le vois, là, ton appartement est créatif, tu peins. Moi, est-ce que je suis la pire basic woman ever? OK, mais attends, tu sais, comment je suis habillée aujourd'hui, je suis fucking basic. Toi, t'es cute, que tu veux qu'on en parle de cette chemise? Je l'aime full. Ah ouais, merci beaucoup. T'es en tabarnak? Oui, je suis en tabarnak. Pourquoi? Parce que je l'ai acheté tantôt. OK. Puis en arrivant chez nous, OK, Matt, il me dit tout le temps, tu sais, il m'a parlé de toi justement hier avec Marie. Tu sais, Marie pis Cassie ont tout le temps un style super décontracté, super cool. Là, je suis comme, OK, ben, je vais aller magasiner du linge cool, moi aussi. J'arrive avec ça, il me dit, ben, c'est correct, là, ça fait madame. Pardon. Impossible. Parce que c'est zébré, je comprends pas, là, c'est impossible. Hot. Mon commandant, si vous aimez. Est-ce que c'est bon? En tout cas, dédié encore toi, temps, s'il vous plaît, pour l'aimer. Ben, sincèrement, je te trouve vraiment belle aujourd'hui. Merci. Je suis quand même contente d'avoir fait partie un peu d'une petite chicane de couple. Oh, non, 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 mais... non, mais quand tu Marie, sérieux, ils sont tellement stylés, pourquoi pas toi, à Claude? Non, mais c'est vrai qu'il m'a dit ça, c'est parce que Marie est venue chez nous avant hier. Ouais. Puis justement, il parlait de style à Marie, puis il a dit, tu sais, c'est comme Cass aussi, là, tout en bien, comme friperie style, mais comme tout en full, genre des t-shirts, là. Comme vraiment nice, je suis comme. Ok, fait qu'en tout cas, bref, j'ai beaucoup de pression sur les épaules à faire un look cool parce que sinon, Matt, il va me trouver moins cool. Ouais, c'est ça que tu me dis dans le fond. C'est ça. Ok, fait que checkez-moi bien. On s'en va direction le Walmart, pis j'ai bien hâte. Yeah. Et on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Wouhou! Je suis tellement excitée, la gang, comme on peut voir, le Walmart est juste ici. Je suis vraiment. Pour vrai, je pense que je vais me laisser guider par mon imagination de ce que qu'on voit au Walmart. Finalement, hein. Mais comme. Tu sais, je veux être originale parce que tu sais, je veux. Fait que, on s'en va au Walmart, ça va être cool! Yes! Déguisant! Wouh! Let's go, Cass! Yes. Allez! Allez! Et c'est parti, mon kiki! Que la meilleure gagne! Peace! Bon, la gang, je suis un peu stressée parce que justement, j'ai aucune idée comme quoi chercher. En ce moment, je suis dans les vêtements, je me disais peut-être me laisser guider par ça. Peut-être armée, mais en même temps, c'était en basic. C'est juste quelque chose d'original. Je me disais que si je trouve rien, je vais peut-être me déguiser en clos. Ok, je lance ça dans l'univers, ok? On sait pas encore. Bonjour la gang, le sel de Claudie en direct. La gang, ça va être tough. Ça va être tough parce que moi, je voulais la déguiser en année 2000 parce que Casti, clairement, apporte pas de vêtements des années 2000. Fait que ça pourrait être vraiment cool. Comme que je trouve des crop tops et une petite jupe. En tout cas, bref, elle serait vraiment hors de sa zone de confort. Mais en même temps, en cadeau de Noël, ça serait tellement drôle qu'elle ait un ruban ici. Est-ce que ça serait drôle? Claudie, Simonac, il y avait une règle. Te faire un costume d'Halloween. Genre, je fais le montage puis je réalise que t'as même pas compris la règle de la base de la vidéo, Mathieu. En tout cas. Je pense que je vais aller dans le linge pour enfants. Comme ça, je vais pouvoir y trouver comme un petit t-shirt des années 2000. Puis je vais aller comme y acheter des barrettes, puis comme des lunettes de soleil. Ça va être quand même cool, je pense. OK, let's go. Je suis découragée. C'est
C'est qui a eu cette idée de vidéo? Moi? Ça va pas bien, la gang, ça va pas bien. C'est vraiment plus dur que je pensais. En ce moment, je suis en train de faire le tour du magasin. Je me dis, ça va peut-être m'inspirer. Je vais peut-être avoir... En fait, c'est ça. Je me suis dit, je vais me faire confiance. Je vais faire le tour du magasin. Je vais peut-être avoir comme une idée de génie. Mais l'idée arrive pas. Check it. J'aurais peut-être pas de déguisement, mais au moins, je pourrais pas de la gueule parce que là, je suis dans la section pâte à dents. J'ai réalisé que j'en avais plus. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Claudie. Oh, attendez, j'ai trouvé quelque chose. Je pourrais peut-être faire l'année 2000. Genre ça. Ben, je sais pas, là. Je me demande comment Cass, elle se débrouille parce que moi, je me débrouille mal en sacrement. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Bon, là, je suis dans la section jeans. Je vais essayer de trouver comme des tailles basses vu que ça fait justement années 2000. J'ai comme trouvé un petit sweater comme ça ici qu'on mettait comme dans les années 2000. En tout cas, tu sais, comme qu'on mettait autour de notre taille. Fait que je me suis dit que ça, ça pouvait comme bien faire. Je me dis vraiment que là, ce que ça va être parfait, ça va être avec les accessoires. Ça, ça va comme changer tout le look. Tu sais, les lunettes de soleil, les petites barrettes dans les cheveux. On va essayer de faire de quoi. J'ai enlevé mon manteau parce qu'il faisait vraiment chaud, mais là, je suis dans les bijoux et il n'y a pas tant de choix pour ouvrir. Là. Ça gosse. Je suis comme... J'aurais voulu des barrettes comme en papillon. J'en trouve pas. Je viens d'avoir la pire idée. Je me dis, si, mettons, je prends plein de brassières mauves, je m'en mets partout, mettons, j'aurais l'air d'une grappe de raisin. Je sais pas. Ça fait du sens. On s'enligne-tu vers une grappe de raisin? En même temps, c'est original, non? Yes, mon costume commence à prendre forme. Je suis bien, bien fière. Je vais prendre eux, je pense. Ils sont fucking thick. J'ai trouvé ces bottes-là. Je suis en train de me demander si je les utilise pour mon look. Ben oui, on les utilise, pourquoi pas? Ça fait une demi-heure que je suis arrivée, j'ai rien trouvé. Rien. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je suis rendue dans la section des vrais déguisements. Et c'est juste ça, la section. Sérieux, help. Help. Je me demande comment ça va coûter, sérieux. Comme c'est sûr que ça me coûte fucking cher, là. Hey, j'ai acheté des souliers, tabarnak. C'est ça, la gang. What the fuck? Oh my god, la gang, je viens de sortir du Walmart. Pire expérience. Je comprends pourquoi je vais pas. J'ai rien contre le Walmart, mais on va pas au Walmart un dimanche. À noter, à noter. Et à ne pas oublier. Merci. La gang, je viens d'apprendre que le costume que j'ai acheté est pour moi, en fait. Et pas pour toi. Non, j'avais pas pensé. OK, la gang, ça a tellement été compliqué qu'il faut que je DIY quelque chose, OK? Fait que là, j'ai dit à Claude, m'attendre dehors. Là, en ce moment, je suis dehors parce que Cass fallait qu'elle fasse un DIY. Un DIY. Il faut que je mette plein de pompons sur le gilet pour faire mon déguisement. C'est parti. Let's go. Honnêtement, il faut que tu sois créative, là. Même Cass a fait un DIY, là. J'ai fait un DIY, puis honnêtement, j'ai failli démissionner. J'ai failli t'appeler en pleurant à un moment donné. Oh, mon Dieu! Avec l'eau, j'y arriverais pas. J'étais comme, hey Cass, prends sur toi, là, sacrement, tu vas y arriver. Mais moi, j'y suis allée dans la simplicité. Sincèrement. Ah, pas moi. Tu vas peut-être être déçue de ma mais simplicité. Mais non, esti. Non, mais tu vas peut-être te dire. T'as réfléchi. Non, mais je suis sûre que tu vas dire pourquoi j'ai pas pensé à ça. Je me suis vraiment cassé la tête, puis ouais, ok, j'ai failli. Là, je vais te dire parce que je l'ai pas pris finalement. J'ai failli m'aligner pour une grappe de raisin. Tu sais qu'est-ce que je voulais faire? Vas-y. Je voulais acheter genre 40 affaires de brassières mauves puis juste me mettre des brassières. Mon Dieu, mais ça aurait tellement été bon, mais Chris, les brassières, ça m'aurait coûté 15$. Ça m'aurait coûté genre un prix de fou. D'ailleurs, pardon. D'ailleurs, moi j'ai hâte que tu vois la facture. Yo, c'est bien cher, le oui. Walmart. Hey, j'ai vu des atrocités tellement chères. Non, mais en fait, il y avait rien de beau, j'aurais jamais non. magasiné. Ah, non. Je m'excuse, la gang, puis en passant, je le sais que ça dépend de chaque Walmart, là. Ah, ouais, ouais. Mais ouais. Pour vrai, ce Walmart, oh là là. Ok, mettons, est-ce qu'on se dit combien ça nous a coûté? Et honnêtement, toute ma facture complète avec tous les trucs citrouilles, ça m'a coûté 200$. Mais mettons, ça, avec le costume, je suis sûre le costume m'a coûté au moins 115$. Moi, ça m'a coûté 100$, ouais. 105$, ouais. Mais par contre, j'ai pris un sac de chips puis un paquet de okay. Gomme. Ben, puis la pâte à dents puis un mascara. Ouais. Enfin, moi, elle avait même pas compris le concept de vidéo. Non. C'était comme, on magasine chacun un costume ouais. Et on se surprend. Elle, en magasin un costume, elle ouais. Se smart, la chum. Là, elle comme, ah, oh, c'est cool, mais moi, c'est pour moi, je vais pouvoir le remettre finalement. Mais moi, j'aurais capoté que tu portes mon costume. Ah ouais? Mais juste, est-ce que c'est Chris qui n'a pas ton genre? Ben là, voyons, c'est vraiment intriguant. En tout cas, il va-tu? Tu vas aller dans la chambre de bain, tu vas dans la chambre? Good. Ok, let's go. À tout de suite. Bon, bien, à tout de suite. 1, 2, 3, go. Yo, j'aime fucking ça. Je suis en 2000. Wow. Mais toi aussi, tu es dans les airs, c'est-tu un clou? Oui, je suis. Ok, mais c'est pour la vie. Mais c'est où?
c'est une bonne idée. Ouais, mais j'ai comme triché un peu pour la tête. Tu as des culottes de pyjama? Oui! Ah, mais c'est donc ainsi! Puis, je dois dire, j'ai collé mon nez avec de la gomme. Non, mais moi, j'ai acheté un suçon. Puis, j'ai acheté un gloss. OK? Puis, j'ai acheté des boucles d'oreilles. Sérieusement? Des barrettes. J'ai acheté des souliers. Non, oh my god! C'est comme tout ce que je porte en ce moment. C'est ça que j'avais en tout cas, le string dans ma vie. Oui! Hey, mais j'aime fucking ça! Ah, mais tant mieux! Est-ce que t'aimes mon DIY? Honnêtement, tu l'as donc bien fait vite ton DIY! Non, mais je comprends pas comment ça a été vraiment! Non, mais c'est vraiment nice pour vrai! Hey! 80$! Hey! 115! T'as pas de bon sens! Ça n'a pas de bon sens! Pour vrai, Claude, je suis fucking impressionnée! Je suis créative, hein? Ben oui, non, mais personnellement, je trouve que les deux, on a gagné. Vraiment? Non, mais je trouve vraiment qu'on est, bonnes. Moi, pour vrai, je sais même pas comment t'as fait pour faire ça comme au Walmart, là. Je passais devant la section genre bricot. Mm-hmm. Là, j'ai vu les petites boules, puis j'étais comme, ah, peut-être Claude, mais en même temps, je suis comme, comment je pourrais faire ça? Puis là, j'étais allée voir dans la mini section de perruques. De perruques? Ouais, puis là, j'ai trouvé ça, puis j'étais comme, ok, je vais m'emmener là-dessus parce que pour vrai, tu connais ça quand même. C'est dégueulasse. C'est fucking dégueu. Dégueulasse. Mais honnêtement, ça sent bon. Ça sent bon. Non, mon son, il est super bon. Hey, je mangeais tout le temps. Mais c'est ça. Moi aussi. Parce que ça fait tellement années 2000, justement. J'en reviens pas que t'aies trouvé ça. Hey, je pense pas à la caisse, c'était encore, là. Mais non, moi non plus, c'était à la caisse. Pour vrai, je pense qu'on a été bonnes, là. Là, je suis vraiment impressionnée. Honnêtement, je pense que je te donnerais un petit peu... J'aime mon DIY, mais je pense que t'as vraiment tout torché. Ah, mais là, arrête! Ouais. Arrête! Genre, honnêtement, ton déguisement, je le mettrais pis je serais à l'aise. Pour vrai? Ouais, je serais curieuse. Non, mais... J'aurais tiré mes paroles. Je pense qu'on peut se faire une bonne main d'applaudissements. Bravo, tout le monde! Ben, juste nous. Fait que la gang, votez dans les commentaires quel outfit que vous préférez, quel déguisement que vous préférez. Oui. Mais honnêtement, je pense que les deux, on a torché raide. Moi, je suis vraiment impressionnée. Ben oui, hey, mon Dieu. Hey, t'as réussi à faire de quoi, là? On est vraiment bonnes. On a mais tout pour vrai, je me sentais quand même bonne. Là. Oui. Comme, j'étais au moment, j'étais comme, ça va bien aller. Là. Ouais. J'étais fière. Donc. Ouais. Ouais. Fait que aussi. Allez voir sur la chaîne à Clo, on a fait une vidéo avec des citrouilles. Citrouilles, oui, mais on répond à des questions crunchy. Ouais, on va encore se mouiller, sacrément. Ouais, comme d'habitude, dans le fond, c'est ça notre métier. Ouais, c'est ça, sacrément. C'est ça notre métier. C'est ça notre métier. Se mouiller. Métier. Mouiller. Non, je te jure, mon cheveu a rentré dans ma gorge. Y'a ce style. That's it, mon petit clown. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye. Mouah! Chris, m'as-tu vu les boules? M'as-tu vu les boules? Ben, c'est ça!